Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Brick, j'espère que vous allez bien, et comme d'hab, on se retrouve sur Saint Seiya Awakening, disponible sur Android, iOS, il faut malheureusement télécharger l'APK, car le jeu n'est pas encore disponible en global, c'est-à-dire en France. Le jeu est en anglais, c'est un catch game, je le répète encore une fois, si vous avez regardé ma dernière vidéo, j'ai fait des summons, donc des invocations, je suis pas très chanceux depuis le début, je n'ai pas de S, j'ai bien avancé dans l'histoire et j'avais promis que bah, les prochaines invocations, je les ferai en vidéo. Alors j'ai récolté quelques gemmes, pas beaucoup, enfin quelques gemmes, quelques cristaux et quelques gemmes. Donc on va tenter, hein, malgré tout. Qu'est-ce qu'on a en stock? J'ai deux gemmes là, plus 500 cristaux, ça fait 7 invocations, on va dire, ce qui est dans le jeu, ce qui est pas mal. Et 14 invocations, on va dire, normales. Donc on va commencer par celle-ci. De toute façon, c'est entre C et A. Il faudrait du A, de toute façon. Ok. Du A ou du B, d'ailleurs, pour pouvoir monter mes persos rang 60. Bon, j'ai eu du B, c'est déjà pas mal. Et il me reste 4. Il m'en reste 4. Donc là, il n'y a pas trop de surprises. C'est pas là où je pourrais obtenir un S. Ok, bon. Ça, c'est fait dans un premier temps. Alors, ce que nous allons faire, c'est... on va partir sur celle-ci. Alors, aujourd'hui, on a la possibilité d'obtenir... la Vierge. Bon, en fait, je vais être honnête avec vous, je m'en cogne du moment que j'ai un S. Allez. Allez, allez. 3% de chance, hein, je le dis encore, d'invocation. Et c'est mort. Cerberus Dante, un B. C'est reparti, le centaure, Pandora, on va essayer de descendre, sirène, pavot. Alors j'essaye de bouger, mais en fait je suis honnête avec vous, je sais pas si c'est une grosse importance de tirer précisément sur une constellation. Sans, j'ai pas trouvé le truc. Ok, même constellation, hein, on vient de tomber. Django, et on obtient une carte, je crois qu'il en faut 120 pour invoquer le chevalet de la Vierge. Donc autant vous dire qu'il manque plus que 119. Allez, Gemini, Gémeaux. Quoi, tu te barres toujours là-bas, toi, putain. Alors, c'est quoi? Delphinus Mi. Je suis super content. Je suis super... Cancer. Lion. On va aller tirer directement sur la Vierge. Hein, on va faire ça comme ça. Allez, putain, fais-moi plaisir. Delphinus Mi, putain, mais franchement, sans déconner, si j'ai pas la loose. À moins un S, donne-moi un S. Ça, c'est le loup. Wafnaki, que j'avais déjà. J'ai une carte, ok. Je suis super content. Allez, allez. 1S, putain. C'est quoi ça? Il me semble que je l'ai déjà. Et la dernière. Putain. Allez, sans déconner, je dois être à... Oh, je vais pas dire de conneries. Plus de 40, je crois. Plus de 40 invocations. Et j'ai toujours pas de S. C'est un truc de fou. Oh là là, mais j'ai la loose.
J'ai la loose, le taux de drop est, le taux de drop est infâme. Littéralement infâme. Donc là, je n'ai plus de gemmes et j'ai un cristal. Ouais, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Je regarde là parce que j'avais du coup un petit point rouge. Ah, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Non, même pas des cristaux. Au final, c'est pas top. Par contre, je vais peut-être vous montrer avec un peu de chance. Bon, on va commencer peut-être par Shiryu. On va regarder si je peux. Voilà, il me fallait trois personnages de classe A ou de classe B. Bah, je vais prendre ceux-là. 200 000, bon, je vais pouvoir me faire plaisir. Et je vais monter mon premier personnage 4 étoiles. Et après, il faudra level. Ah, il bah, faudra que j'ai le compte niveau 30. On va prendre la petite récompense. Que ça donne peut-être une daily vacation. Ah, j'ai un titre qui me sert pas à grand chose. Change. On le changera après. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai encore une invocation, dites-moi. Un truc de fou. Alors, c'est peut-être celle-là qui va me donner le S. On va aller dans l'inventaire. Ok. Écoutez, peut-être la dernière invocation, la dernière de der qui va me donner mon S. Alors on va essayer de se. En fait, on va essayer de se poser nulle part. J'ai pas l'impression que ça marche. Hein. On va se poser sur quoi? Sur. Ouais, Capricorne. Génial. Allez. Et c'est là que tu me donnes mon S. Pour me faire plaisir. Et on n'en parle plus. Ah oh, putain, j'ai la 12. Et encore un classe B. Bon. Bon, écoutez, j'espère que Senseiya vous plaît. Je trouve ça, c'est un jeu qui est très bien. C'est un très bon gacha game. Il y a énormément de choses à faire. Bon, comme dans tout gacha game qui se respecte, le taux de drop des invocations est absolument dégueulasse. Hein. 3%. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Et on se retrouve très prochainement sur d'autres vidéos sur Senseiya. Ciao, 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 ciao.